Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, une fois n'est pas coutume, ce matin, vous nous parlez voiture. Oui, car hier matin, Bernard, vous nous avez fait rire. C'est assez rare pour être souligné. Si on part du principe qu'un fou rire équivaut à manger un steak, on a dévoré une vache fermière de l'Aubrac. Ces bêtes gaulées comme Nabila. Vous nous avez en effet révélé l'achat de votre part d'une nouvelle voiture. Donc là, on s'est dit, Poirette, bon, il est un peu bourrin avec sa grosse voix qui rend les enfants liquides. Il a dû se payer un gros 4x4 de kéké. Eh bien non. Mais pas du tout. Fier comme Samir Nasri s'il avait appris à écrire le mot ornithorynque, vous avez annoncé sur RTL votre acquisition d'une Citroën ZX de 1993. Couleur, avez-vous précisé, prune écrasée. Un bon choix, hein, puisque vous avez hésité avec poire blette et chure de lama. Cette ZX, vous l'avez payée 700 euros. Hein, vous avez la même vie que Giroud. Tout en revendant votre ancien véhicule, sans doute une Panhard ou une Ford T, hein, 800 euros. Sur cette opération, vous avez donc gagné 100 euros, que vous avez traduit par 650 francs pour rester dans l'époque de la ZX. Alors, des auditeurs se sont moqués de vous par SMS, l'un d'eux suggérant que vous accrochiez au rétro de la ZX une queue de tigre, hein, ces animaux habillés comme Régine. C'est terrible, hein, désormais tout le monde vous imagine en ZX de Jackie avec la fausse peau d'agneau sur le volant et le pare-soleil Nanar 75, hein, qui est aussi votre nom sur la CB que vous venez de découvrir. À chaque fois qu'on va entendre une ZX en pleine course de côte avec comme klaxon la cucaracha, on va penser que c'est vous. Hein, pour reconnaître votre ZX, à l'arrière, il y a un autocollant Jean-Amadou et Maryse, hein, que vous n'avez pas retiré. Bon, vous ricanez bêtement, mais la ZX est une voiture exceptionnelle. Oui, absolument. J'ai vérifié du temps d'Harry Vatanen. À votre époque, Bernard, avec la Commune de Paris et le premier concert de Trini Lopez, la ZX a remporté 4 fois le Dakar. Ainsi, là, on était en 91, vous seriez au top. Ensuite, elle a été produite en Chine sous le nom de Citroën Fukang. Hein, c'est comme les dragées Fuka, mais pour les voitures. Alors, production qui s'arrête fin 2013, même les Chinois n'en veulent plus. Bref, ce n'est pas Hollande le type normal, hein. C'est vous, Bernard, qui roulez en ZX Ducati. Fini les Castaldi, les Arthur, hein, tous ces types pleins aux as, loin du peuple. Vous prouvez qu'on peut être un grand professionnel de la radio et avoir la vie d'un ouvrier ouzbek. Hein, même le Dalai Lama roule en C3. Et oui, Bernard, vous êtes le chantre de la décroissance. Hein, en effet, en plus de la ZX, vous avez un vieux téléphone Nokia à manivelle. Que vous avez équipé récemment d'une housse à 1 euro. Un sacrifice pour vous, hein, parce qu'avec le prix de 700 housses, vous aviez une deuxième ZX. Hein, rappelons enfin que vous avez, rappelez enfin que vous avez arrêté d'utiliser le Minitel l'an dernier. Oui. Hein, pour une raison simple qui est que le Minitel lui-même a arrêté. Hein, donc là, si on vous écoutait, on serait toujours en studio au Luxembourg avec comme invité André Lajoigny. Alors profitez bien de vos ZX. Et dans 5 ans, à vous la Super 5. Oui, je vais rétrograder encore plus bas. Ah tiens, ah, elle démarre pas. Ça, c'est bête. Alors, je vais changer la batterie. Ça doit être un problème de batterie.